En ville pour le débat dans le journal là pour aujourd'hui, bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous 23 janvier 2023, yon plaisir pour ma veine, mes journal. Et information que nous avons confirmé, Primati République d'Haïti annoncé dans un communiqué, Premier ministre Ariel Henry allé dans le pays argentin, à participer dans le 7e sommet communauté l'État latino-américain à Caraïbio. Sommet si là a déroulé mardi 24 janvier, cap vini là. Pendant que nous pas là, c'est ministre économie et finance là, Michel Patrick Boisvert qui remplace Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères, Alex Richard qui est secrétaire conseil ministre qui pourquoi il est là cap gérer pour ça en absence Premier ministre Ariel Henry. Sénateur Ronnie Célestin doit paraître devant commissaire Niplan, il fait connaître sénateur doit juger pour vol, viol, corruption et en pile l'autre zac brigandage sénateur t'a participé. Il y a plusieurs policiers dans Petionville après la mort 5 autres policiers bandits et tout yo yo campé dans bang décidé pas travail et décidément yo campé pour fermer tout commissariat. Pour aller dans ville Gonaïve, la police mettait en bacorde 4 individus qui t'a fait partie groupe gang cap opéré dans Canaran. Parmi yo gen yon femme qui en garde à vie et attend pour passer devant juge pour ça yo t'a reproché yo. Mais quand on continue de travailler pour nous au jour le jour, nous c'est réseau information Sofia TV 83. Songez bonne love là, passez abonner à channel là si vous pouvez faire ça ou pas rater aucun vidéo n'a publié sous channel Paola. Dans 12 minutes que n'a parlé là gen premier ministre Dr. Ariel Henry, qui laissait pays jeudi dimanche pour participer à la sommet communauté des États latino-américains et caribéens, qui c'est là, et bien, qui a fait et sorti mardi en Argentine. Et bien, pendant ce sommet-là, le Premier ministre a compté pour et à parler avec chef d'État et puis gouvernement région, et bien, puis même capable de discuter, et bien, donc, le ministre, et bien, pour le ministre lui-même, lui, en direction pour aller dans le pays argentine, et bien, pour lui-même, il a participé dans le sommet communauté des États et latino-américains et caribéens, CELAC, et bien, c'est mardi que le ministre a commencé pour le ministre à aller depuis jeudi. Bon, c'est pas un étape de toute façon, monsieur pas l'après, il est dans le pays, hein, qu'il quitte. Quel quitte le parti, mesdames, messieurs, je pense que ça n'a pas fait nous ni chaud ni fret. Et bon côté Ariel Henry. Et puis, nous continuons à demander la nature pour la responsabilité. Parce que on bagaille comme ça, qui voyage, qui quitte, qui prêt à aller. Vous comprenez? Quand il y a mauvais temps, mauvais vent, mauvais tempête, là, vous prenez un avion comme ça. Vous ne connaissez pas. Parce que, et par exemple, la prison de pays, on paye déjà en état de crise comme ça, la partie prêt à aller. Bien qu'elle n'ait pas d'appétit dans rien, mais n'empêche, qui ça le prêt à faire, on va connaître. Nous allons aller directement au niveau de Hinch, nous allons aller et au niveau de zone plateau central, et bien, nous allons aller au niveau de justice, et bien, nous allons aller pour nous, nous avons un ancien sénateur Ronnie Célestin, et qui convoqué, c'est parquet Hinch là qui est convoqué lui. Et bien, nous allons aller et dossier ça au niveau de justice, ancien sénateur Ronnie Célestin qui est convoqué, et pour aller dans parquet Hinch, ancien sénateur Santla Ronnie Célestin qui est invité pour le présenter dans le parquet Hinch, mercredi, qui a proposé février 2023, bien, invitation ça, lui, intervenir dans le cadre conflit terrien qui est gagné, et bien, au niveau de, et zone 1. Et bien, nous connaissons que ancien parlementaire qui peut aller pour être capable d'expliquer, et comment que lui-même lui fait, et dans le cadre conflit et terrien ça, qui lui-même opposé lui, ensemble avec l'homme d'affaires, et Johnny, et c'est tout. Nous connaissons que puisque lui-même lui gagné, et titre comme sénateur, et bien, je partage, j'aime qu'à convoquer à cause de l'immunité, et bien, selon information qui est arrivée qui est sous place, et bien, il y a une manifestation qui est organisée pendant ce moment-là dans le centre Hinch, en rapport dans le cadre dossier et si là. Nous parlons tout, pour nous tout, et rappelons que il y a des citoyens qui ont même qui demandé, ensemble avec les autorités, et bien, puis eux-mêmes, ils sont capables, et directement, et convoquer, et Ronnie Célestin, et bien, et Jimmy, je pense que vous rappelez de citoyens et au niveau du Hinch qui demandait ça. Eh bien, on allait, nous allons faire écouter déclaration et citoyens et dans Hinch qui demandait et peut-être convoquer ou non. Eh bien, et Célestin, et bien, c'est maintenant 4 dossiers étaient non. Mais je veux dire que vous êtes capable d'avoir une explication sous accusation. États-Unis, ensemble avec les pays Canada et même si vous êtes fait. On a suivi les citoyens qui ont parlé. Et au niveau du plateau central, côté que nous avons demandé pour le faire une convocation pour anciens parlementaires. Avec le sénateur, qui permet que tout compte en banque est bloqué, tout compte en banque est bloqué, libre à voyager. Et actuellement, là, le sénateur lui-même, comme si c'est
rien n'était, eh bien, nous avons besoin qu'on ait comment le sénateur a vivre qu'on y a là, comment la vivre dans le plateau, et en façon pour que le commissaire gouvernement, lui-même, en tant que garant de la société, mette la population en confiance. Parce que tout le monde connaît les copes drogues d'un côté, qui ça, ça a fait? Ça, c'est cop drogue, c'est bagaille qui tout marche avec toute insécurité, avec toute répression, avec tout avec. Nous-mêmes, qu'elle nous pas posé, bon côté pas nous dans la population, nous-mêmes, peuple inch, qu'elle nous pas posé, les nous tendait, non, Ronnie Célestin, en tant que monde nous te voté pour représenter nous, cité dans tout gros dossier, et nous avons preuve côté qu'elle posé arbitraire, et river côté trésor américain, Canada, en général, pour sanction contre lui, côté que Ronnie Célestin pas rien encore, nous-mêmes, nous avons besoin pour que le commissaire gouvernement tende Ronnie Célestin pour nous dans la semaine qui va venir. Mais nous avons dépassé, nous avons passé dans le paquet pour nous porter plainte, pour nous déposer plainte à partir de lundi si tu veux. Et même côté à tout, nous avons mis en garde pour le commissaire gouvernement. Si le commissaire gouvernement n'a pas choisi tende Ronnie Célestin, nous même population, nous allons mettre dans l'obligation. C'est soit le commissaire gouvernement ou du moins l'étendue Ronnie Célestin concernant tout acte arbitraire et toute accusation, quel que soit au niveau national et international, ligue en sous-dôle. Et nous pensons, en dernier lieu, ça nous-mêmes, nous pouvons gagner pour nous faire. Et nous pensons que si nous n'avons pas une solution, vendredi, si Dieu veut, nous avons gagné, nous avons une semaine pour décider, à partir de vendredi, ça pour vendredi, si Dieu veut, nous avons gagné une manifestation qui est face à face contre insécurité, acte arbitraire, acte dilé drogue. Et c'est délai à ça tout, nous, le commissaire gouvernement, pour le capable de tendre Ronnie Célestin. Et une fois que le commissaire gouvernement, pas tant choisi, tendre Ronnie Célestin, vendredi ça, pour arriver vendredi, eh bien nous-mêmes, vendredi, là, nous sortons, nous ne pas rentrer. Nous ne pas rentrer. Comment nous aller? Nous ne pas rentrer, nous ne pas aller dans le paquet, parce que nous ne pas qu'à dormir dans un avec Ronnie Célestin pendant que. Nous citons dans tout dossier et nous, toute la population, connaît n'importe qui qui a un monde, qui tire au monde, qui assassine au monde. C'est le commissaire gouvernement qui l'a comme garant de la société. Plus que tout le monde qui finit faire tout, à quel que soit drogue, à arbitraire, à fonctionner libre, le commissaire gouvernement parle ou bien parle après le plan. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà. Je pense que les citoyens, ça a mérité que nous félicitions. Parce que nous toujours dit Haïti et si pas gen si tirer pas gen voler si pas gen voler pas gen si tirer parce que ça qui a passé là c'est parce que on laisser aller gen souvent les bagages qui a passé moun yo ferme yeux yo va dire rien et bien là nous yo convoqué de façon officielle Ronnie Célestin et n'a pas la vidéo ça c'était avant même que yo convoqué Ronnie Célestin est-ce que c'est suite à et déclaration ça que citoyen ça fait qui fait convoquer Ronnie Célestin peut-être pas mais l'essentiel c'est que nous gagnons groupe moun qui levé camper et à l'égard de corruption qu'a fait dans pays hein dans ça nous dit bravo parce que tout peuple là pas qu'à zombifier tout peuple là pas qu'à marcher tête à tête dans ça mon cher bravo et puis kembe la frère kembe la en nous poursuivre padel oui n'a pas poursuivre n'a toujours été dans ville Inch et ben n'a dans ville Inch bien la police dans ville Inch qui a arrêté 6 individus et ben pendant week-end là mais parmi eux gagnon agent Udmo et bien qui yo arrêté tout et ben chef accusation monsieur yo c'est vol armé détention d'armes en temps avec munitions et ben Abdou pendant et week-end là agent Udmo qui était dans isolement et ben sauvé depuis vendredi soir. Eh bien, un peu de monde qui m'a dit, est-ce que ce n'est pas même policier qui fait agent Udmois lui-même lui arriver sauver, eh bien, au niveau de ville Inch. On a avancé directement, on a toujours été dans le même cadre, phénomène insécurité qui est censé dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Au niveau de Kouadé-Boukem, eh bien, il y a une maison qui appartenant avec un policier qui a incendié, c'est dans Améo qui est arrivé. Mettez du feu là-dedans. Eh bien, il y a une maison appartenant à un policier incendié par des gangs armés. Eh bien, et au niveau de Kouadé-Boukem, eh bien, bandits qui a chassé policiers, au lieu que c'est agent de l'audio qui a chassé, eh bien, ils sont devenus, eh bien, cibles, eh bien, de ces hommes armés qui n'ont aucune pitié pour qui que ce soit. Et rien pour eux-mêmes, pendant le mois de janvier, environ 10 policiers tués, et bien par ces malfrats qui eux-mêmes ont oublié si eux-mêmes étaient haïtiens toujours. Et bien samedi 21 janvier 2023, dans la commune Kouadé-Boukem, les hommes armés ont mis à feu
et à ça, une localité appelée Jérusalem, qui mettait du feu dans une maison qui appartenait ensemble avec dans une maison qui appartenait avec un policier et qui c'est ça que on met via en ligne lui même lui rapporter nous n'a pas bloqué et au cours de 2 à 3 semaines pendant un mois de janvier il y a plusieurs policiers qui eux-mêmes qui est déjà tué à Papoufait au centre-ville de Port-au-Prince et dans la commune et Pétionville côté que nous connaissons que les policiers eux-mêmes qui sont censés et ces cibles policiers qui eux-mêmes qui est censé à pourri là faut que nous et rappelons et Jimmy nous connaissons que incident arrivé au niveau de Pétionville côté que et nous rappelons bien 4 policiers qui eux-mêmes qui étaient arrivés et perdu et la vie et bien des informations ça fait comprendre que monsieur et travail grenègue de l'État le fait. Mais en attendant que l'on a chargé, parce que vous avez dans pile policier qui plus a fait et qui travaille pour grenègue, au lieu que vous-même vous faites travail pour peuple, et bien, est-ce que c'est dans ça que les policiers vous prennent? Et bien, c'est, on prend l'interrogation en pile monde, vous-même vous censé à poser question et question. Et sur ça qui est arrivé, et policier, information, vous n'avez pas. Donc, nous attendons, mesdames, c'est nous attendons, et quand même, et, bon, c'est quand même. C'est pas vraiment une surprise liée pour nous, mais je pense que cette information est quand même liée important qu'elle sorte, parce que là, et nous sommes capables de faire un silence qui fait dans la police, là, entre policiers, mais là, et évidemment, les policiers qui tombent, nous voyons que c'est toute la population qui est sous le choc. Mais là, de là que nous apprenons, est-ce qu'il faut ça confirmer à 100% vraiment? Et, mais quand même, je pense que nous ouvrons, parce que techniquement, nous toujours dit façon policier ou mourir, il n'est pas juste, il va juste, mais là, que nous apprenons que monsieur, yo, et ce n'est pas de travail population, tu as fait ce travail et pour monsieur bourgeois, secteur privé. Yo, monsieur, il parle de sécurité, il parle des agents de sécurité, mais c'est eux qui ont fait la série des gens dans le secteur privé et sécurité. Dans ce sens, ça, je pense que quand même, il y a une façon de faire. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'accepter la mort quiconque. Et même la sécurité, évidemment, nous n'avons pas besoin, comme si applaudir la mort policier, nous n'avons pas besoin de faire comme ça. Mais n'empêche, je pense que beaucoup de la police, beaucoup d'autorités, il faut qu'ils révisent les cahiers. Et il y a des choses qui doivent faire, mesdames, messieurs. C'est ça que nous avons toujours dit. Il y a des choses qui doivent faire dans l'institution de la police. Ça n'a pas de place. Il n'y a pas de comme ça. Il n'y a pas comme ça. Pendant la population a besoin d'aide, besoin et présence de la police, je pense que la police n'est pas comme si c'était là pour faire patrouille pour grenègue. Hein? C'est bon, c'est l'éclair là, l'éclair là-dessus. Et puis pendant ces temps, bon là, pas oublier que son version, hein, faut nous pouvoir dans pile. Pas rien qui dit que ça, c'est vrai. Parce que pas oublier, monsieur, toujours là, pour protéger et groupe Payo, France LB, a toujours sorti n'importe bagay. Et c'est de là qu'il a dit, faut que tu aies une enquête. Faut que tu aies une enquête indépendante qui fait. Parce que c'est clair. Mais attention, et pendant ces temps, Pradel, oui, n'a pas avancé sur ça, mais nous avons une voix quand même. Nous avons au moins 2 voix là, à côté que monsieur, de façon officielle, ils ont demandé pour France LB démissionner, c'est clair là. Ils ont demandé pour France LB et quitter. Je pense que nous avons touché ça également. Oui, oui, Jean, que nous parlons de Jimmy, directeur général là, et Gampiron qui dit, bon, nous connaissons que malgré que tu as choisi, Gampiron qui dit que, et bien, monsieur Sali, même, il y a un confiolo ensemble avec Bandio. Eh bien, depuis le France LB monté, nous avons recruté 2-3 travail qui t'a fait, mais après ça, on va avoir rien. Côté que, dans pile policier qui ont parlé, en faisant des déclarations policières, comment dire, et pour que France LB ait démissionné, bon, parce que si France LB n'est pas un monde qui s'en honte, ou t'es supposé démissionner, parce qu'on ne peut pas résoudre aucun problème, qui vient là, insécurité a venu plus à augmenter, vraiment, bon Dieu, il n'y a pas rien de tirer, en faisant des déclarations policières. Voilà, et bon, nous invitons à étendre des déclarations, ça, mesdames, messieurs. Parce que c'est important, il faut nous toujours mettre nous dans le mi-temps, il faut nous connaître exactement ce qui a passé. Et en tant d'extrait ça, c'est très important, mesdames, messieurs. Nous partons pour. Je parle de ça, je parle de ça sur tout groupe que nous sommes. Et je parle de monde qui donne le tout, partager sur le groupe que nous sommes, nous-mêmes, le groupe qui parle de nous, et publier pour nous. Toute police actuelle là, nous sommes. Qui voulait payer un saut dans sa lit, parce qu'il mourit trop, et résume. Si ce qu'on appelle le bail, mon cap dirige le pays, qui a dirigé la sécurité, cap même cause à mourir. Parce que mon cap dirige le protéger, c'est le cap protéger le bandit qui a tué nous. Tout policier
comment c'est marre nous on n'a protéger ou bien résumé pour marre de nous on ne tient pas dans son lieu fout dans le pied nous. OK, toute police campé travail. Campé travail à partir de asso à la campé travail net. Pays a fermé, police pas travail. Monsieur, on pas ba tête nous menti. Nous souffrons trop, nous tombons trop. Nous tombons trop. Toute police en campé, en campé travail. Nous pas prendre la rue, nous pas faire exécuter mandat, nous pas faire rien en campé. En campé, la police campé. OK, toute police campé travail. Campé travail à partir de asoya la campé travail net. Pays a fermé, police pas travail. Monsieur, on pas ba tête nous menti. Nous souffrons trop, nous tombons trop. Nous tombons trop. Toute police en campé travail. Nous pas prendre la rue, nous pas faire exécuter mandat, nous pas faire rien en campé. En campé la. Voilà, et mesdames, messieurs, nous tendons extrait, hein, et les mêmes publics que Chanel Mouna fait bon TV, nous là pour nous servir. Donc, c'est important que nous permettons tout en des conflits qui gagnent là, en dans la police, là, mesdames, messieurs. Il y a un gros conflit là, évidemment, tête et France LB doit partir. Est-ce que c'est ça la meilleure solution, hein? Bon, là, je pense que c'est policiers qui a vivre avec le problème, non? Et je nous dis, monsieur, pas bien résultat, vraiment. Il n'y a pas bien résultat, mais en même temps, tout, gros nettoyage. Et au-delà des bandits qui ont tombé, et Pradel, au-delà des bandits qui ont tombé, nous connaissons un problème dans la police, à côté d'une équipe gang, dans la police même, une équipe, monsieur, soi-disant, fantôme déguisé, fantôme 509, fantôme 502, fantôme 503, chargé gang dans la police, nettoyage en deux fait à l'intérieur même, pour pas dire et à l'extérieur. Et oui, on peut profiter, salut Salomon, qui va à peine venir nous là, Pradel. Oui, nous avons salé Salomon et puis nous parlons directement au niveau de Cité Indépendance. La Gonaïve, et bien, pour dire qu'il y a un agent police nationale d'Haïti qui a affecté le commissariat Gonaïve. Il a arrêté samedi et 21 janvier 2023. Il a arrêté Bivincer et César, qui est un petit nom, et Fantôme, il y a Farah Bernard, qui est tout Judelin Eli, et puis Jean-Jacques Xama. Mais d'après le bureau coordination presse, et bien, la police là, quatre individus furent arrêtés pour implication suspecte dans l'activité criminelle qui est liée avec gang qui a opéré dans le Canada. Et bien, sous ce policier, là, il m'a indiqué par ailleurs que quatre présumés bandits ont formé une association de malfaiteurs et tout aussi originaire de la commune de Cité-Soleil, précisément dans la localité Sat. Et bien, c'est ça que l'information qui est recueillie par le service départemental, renseignement la Tibonite et puis et Port-au-Prince. Quatre individus, ça, eux-mêmes, ils ont gagné et ça nous a relé en liaison entre les groupes armés qui ont évolué dans la capitale là. Et puis, ils ont gagné un poutage, puis ils ont étendu et pour être capable de prendre le noir, et bien, pour produire pétrolier détourné par Bandio, ils ont opéré dans la cité et Soleil, puis Canara, pour que c'est eux-mêmes qui ont une possibilité pour que eux-mêmes prennent le gaz que Bandio a détourné, et bien, pour être capable de prendre pour eux. Et bien, Jimmy a regardé et quatre bandits, ça, eux. Quatre présumés bandits qui ont arrêté, et bien c'est quatre suspects, membres suspects, gang armé canarien, qui ont arrêté dans la cité indépendance, Gonaïve, et bien gens que, et n'a pas gardé là, je pense que Dino Fermounio est gardé, et bien parce que la police, qui est même qui est au niveau de coordination presse et direction et relations publiques, département de la Tibonite, quatre présumés membres gang canarien, qui ont arrêté dans Gonaïve, et bien Benser César, alias Fantôme, qui était activement recherché. Et bien, par la police, Farah Bernard, Judelin Eli, et puis Jean-Jacques Xama, et eux-mêmes, ils ont interpellé tout samedi 21 janvier 2023 par le commissariat et Gonaïve pour implication présumée dans le cadre d'activité criminelle en relation avec gang canarien. Et bien, quatre individus regroupés en association de malfaiteurs, ils ont venu et ils ont sorti dans la cité Soleil et puis dans la zone SAT. Et bien, ils ont dit que dans la connivence, ensemble avec gang, dans la capitale haïtienne, pour capable écoulé et bien et produits et pétroliers, le gaz qui ont venu à voler et dans l'eau pour voyager dans Grenoble, et bien et au basé dans Cité Soleil et Picanard. Et selon information traitée par le service départemental du renseignement de la Tibonite de concert avec les policiers dans Port-au-Prince. Oui, oui n'a pas regardé Figueo, n'a monté visage bien, mesdames, messieurs, j'en ai toujours fait le beau, et vous capable d'identifier bien, et c'est important, c'est important. Et puis, dans le niveau arrestation, ça, nous-mêmes, nous avons des problèmes avec ça. Ça, j'en débarrasse, ça, c'est mortellement l'Italie. Il n'y a pas de juste arrestation. Vous avez gardé un cap, mais vous devant nous là, mesdames, messieurs. Vous avez un barcode là. Par contre, vous avez ajouté, et Salomon. Oui,
Voilà. Eh bien, on nous avance, Pradel, justement, mesdames, messieurs, c'est eux même quatre individus, ça, on a regardé là. Oui, Jean, que nous sommes gardés, c'est quatre individus, ça, que la police lui-même, je suis censé arrêter eux. Eh bien, ils ont critiqué eux comme on qui, eux-mêmes, ils ont fait louche, eh bien, au niveau de Port-au-Prince, et puis ils viennent cacher pour eux, pour eux-mêmes, ils sont capables de bonne gaz. Et pour les banques, bouge pas. Et dans la zone, et Port-au-Prince, dans la zone Canara, bouge pas. Là, avec les bandits, ils ont détourné les gaz, et bien, ils ont censé passer pour Dieu, pour eux, au niveau de Gonaïs, parce que la police, ils ont déterminé, et bien, pour eux-mêmes, ils sont capables de couper les bandits, ils ont. La avancée, le même cadre, information qui sont censées après dominer l'actualité, et bien, pour aller directement au niveau de Port-au-Prince, et bien, pour nous parler, et dans les affaires Chelson, et ça, non, eh bien, nous connaissons que Chelson Sanon, eh bien, qui lui-même qui était joint à l'arrestation, il s'est passé 10 ans là, et dans la prison. Après environ 10 l'année, il est passé dans la prison. Eh bien, Chelson Sanon, il est joint liberté, après une séance qui était réalisée dans le tribunal correctionnel. Eh bien, Chelson Sanon, qui était joint à l'arrestation, et dans l'année 2013, pour usage de faux, utilisation faux papier, avocat Chelson Sanon, maître Justinel Jean, et bien, il a fait quoi, directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, avec Marie-Hélène Gilles, et bien, qui a des complots pour te perdre Chelson Sanon en prison, pendant mettre relevé, et bien, raison, et qui t'a suscité complot si là. Direction générale police nationale, là, dénoncé à toute force, li, yon fois encore, Zach assassinat que bandit à gros âme, fait sous yon patrouille, la police, qui sortit dans le commissariat Pétionville, qui t'a le poté l'assistance, bah, yon collègue qui était en danger. Depuis yon t'es alerté par situation, ça, ou au commandement la police, là, t'es prend toute disposition, pour voyer renfort, pour porter secours à policiers, yo, à habitants dans la zone Métivier. Malheureusement, dans l'embuscade ça que policiers ont pris, quatre moun perdi la vie. Parmi eux, trois policiers ak yon chauffeur camion. Yon policier disparaît, yon par contre côté le passé et yon blessé grave après soin l'hôpital. Direction générale la saisi occasion pour présenter sincères condoléances li à parents, zami proches ak collègues victimes yo, toute famille la police nationale qui affecté par disparition brutale ça. Directeur général la profite tout pour lancer un appel nan calme ak respect consigne sécurité yo à tout policier que mission sensible yo, la cause y a fait face ak danger toute qualité, mission ça qui se protéger ak servi population. Direction générale la renouvelé à population en détermination pour continuer à déployer tout effort nécessaire pour mettre dans campé loin tout bandit ak acolyte selon ça la loi mandé. Yon jan pour la paix, la tranquillité, la sécurité tout ne prend place sur tout territoire national là.